Alors donc bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du réveillon. Anthony l'a mis son pull. Très beau pull. Voilà, moi je vais mettre mon bonnet après, hein. Au niveau de la robe, du coup j'ai mis ça. J'ai mis une robe du site Gigi Haus. Voilà. Que je vous ai montré cet été, je crois, il me semble. Et franchement, elle est très bien, je trouve, pour voilà, pour le réveillon. Même si elle est noire, comme elle est transparente, c'est ça va. On est dans le thème. Les enfants, je les regarde, ils sont trop mignons. Ils ont tous mis leur chemise. Ils sont prêts depuis ce matin. Ils sont prêts depuis ce matin. Ils nous demandent à quelle heure on part. Donc là, ils regardent l'heure toutes les 5 minutes. On va pas tarder à y aller. Voilà. Voilà, on va pas tarder, on va décoller. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu de changement dans la maison. Parce qu'en fait, vous savez, le bureau, il était là. Juste là dans le coin. Et avec le câble qui traversait la porte. Donc à chaque fois, Anthony se prenait les pieds dedans, les enfants aussi. Et à chaque fois, ça débranche mon ordi. Donc quand on est en plein montage et que l'ordi s'arrête, bah en gros, on n'a plus qu'à tout recommencer. Voilà. Donc vraiment hyper marre. Je me suis dit, le bureau, faut que je trouve une solution. Donc hier soir, je crois qu'il était minuit. J'ai pris le mètre, j'ai mesuré le bureau. Parce que c'est pas possible. Donc j'ai mesuré là-haut, ça rentrait nickel. J'ai dû enlever une table de chevet. Pour l'instant, elle est dans le couloir là-haut avec une petite lumière. Ça va, c'est pas encore trop encombrant. Et ensuite, quand on aura les combles, on pourra remonter le bureau. Mais pour l'instant, je pouvais plus continuer comme ça. Même pour travailler avec la télé et tout, c'est un peu galère. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, sous l'escalier, c'est comme ça provisoirement. Là, il y a les cartables des enfants qui sont là. Là, j'ai mis ce fauteuil-là. En attendant, mais dans l'idée, il faudrait que je trouve un petit fauteuil là, un petit bout de canapé là, mignonné, pour pouvoir poser un petit truc. Mais encore, franchement, voilà, je vais pas trop charger. Mais et maintenant, je vais vous montrer le bureau là-haut. Du coup, le bureau a trouvé sa place ici. Donc voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais je trouve que ça va quand même. En plus, la prise, elle est juste en dessous. Donc j'ai pas de fil qui traîne et tout. Là, il y a ma petite poubelle que j'ai remontée à papier. À côté, c'est mon petit meuble avec mes livres et tout. Et là, les planeurs que j'ai appris chez Action. Enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut là pour pouvoir travailler dès le saut du lit. Voilà, vous voyez, j'ai juste ça à faire. Et pouf, sur l'ordi. Donc non, bon bah voilà, ça va être comme ça pour l'instant. Et puis voilà, provisoirement. Mais ça va aller. Je vais pas non plus être. Enfin voilà, c'est pas dramatique cette situation, on va dire, avec le bureau dans la chambre. Bon alors, salut les gars! Oui. Oui? Oui. Oui. On va où là? J'ai grand-mère. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah Fêtez Noël! Ouais! Fêtez le réveillon. Le monstre à trois têtes. Et vous êtes impatients alors? On est le monstre à trois têtes. Ah oui, c'est un sacré monstre à trois têtes. Et On va se préparer, on y va? Vous êtes prêts pour y aller? Ouais? Ah, c'est vraiment dur de décoller. C'est dur. Il est 19h30. Heureusement, on a rendez-vous à 20h. Donc là, c'est bon, on est enfin prêt. On a fait la photo pour Insta. Mais c'était hyper compliqué de la faire. Donc au final, elle est vraiment catastrophique. Et là, c'est bon. On va enfin pouvoir décoller. On est prêt. Go, on vous emmène avec nous. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On vous le promet. Alors là, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. On est attendu, on est un petit peu en retard, comme d'hab, mais c'est pas grave. De toute façon, on a toute la nuit devant nous. Hein? C'est ça, le mignon pizza. C'est ça. Donc en plus, il pleut, franchement, le temps de dingue. Heureusement, Anthony m'a escorté avec le parapluie parce qu'il a pensé à mon brushing. C'est dit là. Ça va être la crise. Donc voilà, bon c'est parti, j'arrête de parler. On va manger. Bon, dans la catégorie poulet, on continue. On a oublié les chocolats. Donc on retourne à la maison. Victor, il s'est endormi. Tout va bien. On maîtrise la situation. On est bien là. On est très très bien. Ah, la belle taille. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand.
T'as montré les cartes à grand-mère? Les enfants, ils sont Halloween. Alors, t'as vu tout ce que t'as eu? Il m'a marqué grand-mère. Il m'a même montré tout en faux. Il m'a même dessiné, tiens. Oh là là. Ça, c'est moi. T'es toute belle, Sylvie. Grand-mère, je t'aime. Oh. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Woo-hoo. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gone. Joyeux Noël! Super, go go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a... Mistletoes, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Woohoo. La voiture. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des enfants. Les canapés. Oh, j'avais dit pas de parfum pourtant. Elle fait une chanson. Elle chante. Elle démarre. Et ça, le truc, ça sert à tourner. Qu'est-ce que c'est? T'as un clavier? J'ai un clavier. C'est parti. Oh, j'ai un clavier, je suis quand même marre. Voilà. Vas-y, va bouger. Donne-lui son biberon. Donne-lui son biberon. Ah, c'est son gâteau, je crois. Ah, c'est bon. Ah ouais. Salut. Ça va. Ah bah oui, poissons. D'accord. Je voulais prendre les poissons des autres, moi. Ah. Ah, ça y est, j'en ai un. Tu vas tout casser, les gars. Tiens, allez. Oh, oh, c'est des bonhommes de neige. Oh, il est chou. C'est grand, ça. Bon, du coup, on vous reprend. J'ai une tête de dingue. Il est pratiquement 3h du matin et on n'en peut plus. On est KO, les enfants dormaient sur le canapé. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer. Et enfin, les enfants dormaient, William dormait. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer tranquillement à la maison, mais là il commence à se réveiller, donc je sais pas, on va voir. Normalement à la maison il a dû se passer quelque chose, vous allez voir, quelque chose de sympa, donc la nuit n'est pas terminée pour nous, mais on va rentrer et demain on retourne chez mes parents, et c'est seulement samedi qu'on va chez mes beaux-parents, donc ça va être plusieurs jours de suite qui vont pas être très reposants. Mais bref, en tout cas il fait super froid là, il fait 2 degrés, on est gelé et la voiture elle chauffe pas du tout, on est gelé. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a des galons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors chacun sa pile, ici c'est Victor, ici c'est Arthur, ici c'est Willou. Qu'est-ce que c'est? Oh, ouais! Victor, on a un jeu de magie!
ce jeu bizarre. Moi, j'ai eu ça finalement. J'ai eu ça. Regarde, j'ai eu ça. Waouh. D'accord, premier jeu. Tu mets de côté. Le liseur d'histoire. Oh, wow. Bah alors, Willou? C'est moi, regarde, pour moi, Antoine. Poulpe au trésor. C'est Ben la poubelle. Ouais. Et regarde, que j'ai eu. Le globe. C'est un truc énorme. Oh, oh, bravo. C'est génial. C'est génial. Ouais. Ça va, c'est un petit canon. Tu vois ça? Encore une pêche au canard. T'es content? Je pense que là-dedans ils vont mettre des piles. T'as une voiture avec, regarde, t'as dedans. T'as une voiture comme ça dedans. Plus une coque de rechange. Un petit. Je suis pas sûr. Ça, mon ami. Attends, c'est un lapin. Le lendemain matin. Ta ra ta ra ta ra. Tout est là. Du coup, on vous retrouve le lendemain pour vous montrer les cadeaux donc des enfants donc du Père Noël qui est passé donc chez mes parents. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. Non, ça tu l'as pas eu là-bas. Alors, je vais vous montrer. C'est parti. Donc Victor, il a eu un ordi tablette comme ça. Donc ça, il avait demandé. Hein, Victor ? Et il est super content, c'est super bien. Ça pour emmener partout, même en vacances, même sans parler de vacances. À la maison, il va pouvoir faire plein de trucs. Il y a un vrai clavier et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Il a eu également ceci. Donc ça, c'est un jeu qui est assez ancien. Hein, il me semble ce jeu-là, il existe depuis un petit moment. Parce que mes petits frères, ils l'ont déjà, ce truc-là. Et donc voilà, c'est pour faire des écritures dessus. Vous pouvez faire diverses formes et tout. Donc ça, c'est vraiment un super cadeau aussi. Victor, il a eu quoi d'autre? Il a eu une voiture. Une voiture comme ça, qui roule toute seule et qui chante et qui danse. Donc là, franchement, je l'ai éteint parce que sinon, elle nous faisait un boucan pas possible. Mais elle est vraiment... Elle fait la démo. Voilà. Il vous fait la démo. Voilà, la voiture qui fait du bruit. Et tu l'éteins comment? Tu l'éteins comment, la voiture? Elle s'éteint toute seule. Elle s'éteint toute seule. D'accord. Bon bref, comme vous l'aurez compris, il est super content de ses cadeaux. Tiens, monsieur Victor. Alors, ensuite, le petit Willou, qu'est-ce qu'il a eu chez grand-mère ? Le petit Willou, il a eu une pêche comme ça au poisson. Ça, il le demande tous les ans. Et nous aussi, en plus, à la maison, le Père Noël lui a aussi pris une pêche comme ça. Oui, il aime bien les poissons, ça, je pense que vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre ? Il a eu une peluche. Ah non, attendez, je vais commencer par, par vraiment ce qu'il avait demandé. Il avait demandé ceci, donc c'est un Régalorex. Ah, Willou, il est trop marrant, il est trop bien. Donc là, les piles, elles sont un petit peu usées par contre. Donc là, il faut qu'on pour acheter. Donc voilà. Bon, et ça, c'est l'autre dino que, voilà, qu'il voulait également. L'autre dinosauteur. Le dinosauteur, voilà. Tiens. Et si vous l'énervez, il saute sur la caméra. Donc voilà, le dino. En même temps, il n'y a plus de piles parce qu'ils l'ont tellement... Et si vous l'énervez, il saute partout. Voilà. Donc, ensuite, il a eu ça. Le Père Noël a trouvé ceci. C'est une peluche qui est censée être mignonne, de base. Voilà, donc quand elle est comme ça, elle est toute mignonnette. Et elle peut aussi s'énerver. Ça fait penser un peu aux Gremlins, je trouve. Donc on a bien rigolé hier avec ça, franchement. Parce que je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Franchement, c'était vraiment... Ensuite, Monsieur Arthur, il avait demandé sur sa liste ce jeu-là, qu'il a vu. Donc voilà, il est super content, on n'a pas encore ouvert hein, parce que là ce matin on en a ouvert déjà pas mal et puis on en garde aussi, les vacances ne sont pas terminées. Il a eu un petit truc de Playmobil comme ça, par contre ça on l'a construit hier soir et il a joué avec, il a même dormi avec pour tout vous dire. Il a eu aussi un cadeau de dingue, il a eu une super voiture comme ça,
la marque Exhaust. Il en a déjà plusieurs, il en a, non, il en a une comme ça, et Victor aussi, puis William aussi, ils en ont une comme ça. Et celle-ci, elle est vraiment bien parce que elle a pas de pile déjà. Ça, c'est un système de batterie, donc on a juste à la recharger pour qu'elle puisse fonctionner. Et elle est tirable, elle tourne, elle fait plein de trucs. Enfin voilà, la voiture parfaite. Elle a des ressorts. Je crois même qu'on peut rouler dehors avec. Donc on testera peut-être si ça marche dans le jardin. Je la regarde. Ouais, mais bref, elle est vraiment très très bien, ça, il a adoré. Ensuite, on va passer à nous, les adultes. On a eu, enfin j'ai eu, on est pour faire des boucles. Donc ça j'avais mis sur ma liste de Noël. Voilà, c'est un boucleur que je voulais déjà à mon anniversaire. Et donc là j'ai demandé ça pour Noël. Moi aussi je n'ai pas. Sauf qu'elle a pris une super version parce que c'est la version boucle brillante et c'est avec de la vapeur. Donc je sais pas si de base le cœur, le secret, c'est avec de la vapeur. Dites-moi en commentaire. Mais là j'étais étonnée parce que ça marche avec de la vapeur. Donc peut-être que le modèle classique il est aussi avec de la vapeur, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de le tester, donc je le testerai pour le nouvel an du coup, pour me faire des petites boucles soyeuses. Donc je suis super contente, c'est un cadeau de dingue, elle a vraiment, elle nous a vraiment gâtés. J'ai également eu du maquillage. C'est pas une crâne. Et j'avais demandé de rien prendre d'autre, ça c'est ma maman, elle en fait toujours qu'à sa tête. J'ai eu ça et ça. Donc, j'ai eu un blush comme ceci, donc de la marque Benefit, le Oula. Il est vraiment vraiment top. Je l'avais vu sur plein, enfin dans plein de vidéos sur YouTube. Et du coup, je suis contente de pouvoir l'avoir et de pouvoir le tester. Et franchement, il est vraiment bien. Il donne vraiment un effet bonne mine. J'ai aussi eu une terracotta comme ça, donc de la marque Guerlain, qui est une très bonne marque. Je les prenais avant, cette terracotta là, mais ça c'était avant d'avoir des enfants, et elle est vraiment très très belle. Ah, je vous ai pas montré le Oula comment il est. Il y a un petit pinceau, c'est comme ça, c'est vraiment un bronzer, ça donne vraiment bonne mine, c'est top. Et donc celui-ci, c'est pareil, c'est une terre de soleil, je vais essayer de vous montrer. Il est vraiment magnifique. Ah, bon, il y a la petite protection, j'essaie de vous montrer comme ça. Il est vraiment hyper hyper beau, il y a plein de couleurs, il y a un peu du rose dedans, enfin un peu, il y a pas mal de rose et du brun, c'est super joli, ça fait vraiment et blush et terre de soleil, enfin bronzer, donc ça vraiment j'adore, ça combine les deux et c'est vraiment très très subtil et tout, j'aime beaucoup. Elle m'a également pris un rouge à lèvres, en plus ça tombe bien parce que moi mon rouge à lèvres c'était la fin, il m'en restait plus et c'est celui qu'elle m'avait offert déjà l'an dernier, c'était une version mini, comme quoi j'en mets pas non plus des masses. Elle m'a pris celui-ci de la marque Givenchy, que j'ai jamais testé leur rouge à lèvres, mais elle c'est ce qu'elle utilise, ma maman, donc du coup voilà, le packaging est vraiment magnifique, voilà, et la couleur est très belle, c'est ce que j'ai mis là en fait, la couleur est magnifique, voilà, je vais pas... c'est un brun en fait, et il est vraiment très très beau, donc je suis super contente des cadeaux qu'on a eu, franchement. Alors Anthony a eu... Ah non, 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 j'ai eu aussi un parfum et j'avais demandé de pas me prendre de parfum. Donc elle m'a pris le parfum Joy de Dior, qu'elle m'avait déjà pris l'année dernière. Et Anthony, il est parti chercher sa veste. Il a eu une veste magnifique, mais vraiment super belle, qui lui va très très bien parce qu'il est grand, donc les vestes comme ça, ça lui va trop bien. Je vais pas l'essayer hein, du coup. C'est une veste comme ça, trop belle, avec de la fourrure. Franchement, elle est magnifique. Et donc c'est la même marque, la doudoune que j'ai, parce qu'on m'a demandé en commentaire la marque de ma doudoune, c'est une Tommy Hilfiger. Et du coup je crois qu'elle l'a pris sur Zalando, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà. Et franchement elle est super belle, de très très bonne qualité, et ça lui va super bien. Anthony, je pense qu'ils vont vouloir voir ce que ça donne. Donc voilà, franchement ça lui va super bien. Et comme je vous dis, comme il est grand, donc bah du coup ça... c'est parfait, c'est parfait. Non, elle est vraiment pas mal, avec la petite fourrure, nickel. Du coup voilà pour nos cadeaux, je vous ai tout montré parce que beaucoup m'ont demandé tu nous montreras tes cadeaux et tout et tout. Bah je fais comme l'année dernière, sauf que je vous fais pas de vidéo spéciale parce que voilà, je préfère vous parler comme ça et vous prendre dans un vlog, c'est plus sympa. Donc là je vais clôturer le vlog maintenant puisqu'on on part de nouveau chez mes parents pour manger. On est hyper tardif, on s'est levé, là on est super, on prend notre temps, on s'est levé, il était je sais plus trop, bah, les enfants se sont réveillés avant, du coup ils nous ont réveillés, ils se sont levés vers 10h30 je crois, 10h30, 11h, et là maintenant, donc là il est quasiment 13h, et on va seulement manger, mais comme on a
franchement pas très faim vu qu'on a pris un bon petit déj ce matin. Ça va. Et après on va passer je pense une bonne partie de l'après-midi là-bas et on rentrera ce soir tranquillou. Et ce soir je pense qu'on se fera une bonne soupe. Mais de toute façon je vlog encore, enfin je pense là tout le week-end. Donc je vais clôturer le vlog là, mais je vais commencer l'autre vlog. Donc voilà, vous me retrouverez demain pour la suite des événements. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour un prochain vlog sur ma chaîne.